Voilà. Le 21 juillet, ici, il y avait un planeur de 24 kilos. Il y en a déjà eu un de 45. Et notre ami Coco, qui fait le commissaire de piste aujourd'hui, avait un avion avec un moteur de 170 cm3. C'était limite pour tirer un avion de 45 kilos. Donc là, on est parti. On doit suivre le planeur. Comme en grandeur, il doit suivre le remorqueur. J'ai eu l'occasion de faire un tour à Saint-Hubert. Normalement, quand vous êtes dans le planeur, il faut être un peu plus haut derrière. Mais chaque pilote ici en mode réduit, il a le doigt sur l'interrupteur. Au cas où, s'il y a un souci, ben, il largue ou du côté planeur ou du côté avion. Et là, en remorquage modèle réduit, le crochet de remorquage est au centre de gravité. Il n'est pas à l'arrière comme sur un Wilga ou sur un Piper Panoui comme à Saint-Hubert, qui a même un treuil automatique pour rapter automatique. Il faut quand même l'actionner via le pilote. Une fois que le planeur est largué, il sait ramener son câble à l'intérieur du Piper. Voilà. Un fun cup qui remorque un planeur. Et ça fonctionne, hein. C'est un peu limite. Mais ça va d'aller, comme on dit. Hein. Ça va d'aller. Mais ça va. Mais ça remorque, non, du Dieu. Voilà, le planeur est parti pour... on ferme à 6 heures, mais à 8 heures, il peut encore être là, il a trouvé des pompes. Voilà, vous voyez le petit fun cup, là, il tire toujours, hein, il a l'air de rien, ce petit fun cup de multiplex. Vendu par Air Model également. Et le planeur, je ne sais pas, mais bon, voilà, on va bientôt le larguer. Maintenant, peut-être que le planeur grand, le plus grand, va peut-être faire de la voltige, ça c'est autre chose.